La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer les choses. Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission Congolais TV, dont nous avons le réel plaisir de le présenter pour vous. Jonathan Safou, à la présentation de cette émission, l'homme de la République, l'homme qui a pris l'engagement de servir la nation à travers les médias. Comme vous le savez, l'actualité politique est beaucoup plus dominée que dans l'Est de la République du Congo. Il y a eu la mini-semaine dont a été organisée par le président angolais, le président congolais a pris part. Il y a 6 ans, il y a plusieurs résolutions. Les lois qui nous ont concerné le processus de paix à Nairobi, plus de 200 groupes armés au Bazar qui nous ont on a signalé l'absence de M23. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose après 6 ans? Il y a Nairobi, Puna. Et nous allons parler aussi de cette déclaration ou bien de ce discours du président rwandais Paul Kagame, Nenga, quoi, accusé chef de l'État congolais en disant qu'il n'a pas pu gagner les élections en 2018. Il y a un effort pour que l'élection en 2023 à l'organiser pour le Makambo. C'est basé beaucoup plus dans Makambo. Il y a M23. Mais aussi, nous allons parler de cette fameuse calendrier électoral qui est publié par la CENI samedi dernier. Mais plusieurs opposants ils s'opposent à ça. Est-ce qu'ils ont peur de s'affronter des séances électorales ou bien ils allaient que la réalité vraiment et que l'élection vraiment est à l'atteindre en 2023. Mais aussi plus loin. Il y a un député national de l'Union Sacrée, les aides en Balbi, qui est le calendrier où vous allez vraiment réalisable été dans vous allez vraiment réalisable été Ndenge Makambu et Kokende Ndenge Mambesalama de l'élection 2006, 2011, 2018. Batika là, jamais qu'on a enrôlé les électeurs dans moins de 3 mois. Ils allaient entre 12 et 13 mois. Est-ce que vraiment l'élection est seulement sur ce plateau? Nous avons un cadre de l'UDPS. C'est pour une première qui passe dans notre chaîne Congolais Télévision, Otoko Ebisae, Boyle Madame Ndeko. Merci Mingi Ndeko, journaliste. Ce qu'il faut, c'est présenter. Et surtout, c'est pour une première plus de 140 000 abonnés, basé sur la chaîne Minute Rolanda Bisso à travers notre chaîne Congolais Télévision. Si aujourd'hui on peut vous présenter, certes, nous on vous connaît comme cadre de l'UDPS, vous êtes Tati Chiswaka, mais pour nos téléspectateurs, on va émettre au Pénaté, la fonction que vous assumez au sein de l'UDPS. Qu'est-ce que vous faites au sein de l'UDPS et depuis quand vous êtes à l'UDPS? Merci Mingi Ndeko, journaliste. Eza et Sengopo Nangai, pour la première fois, on a participé à un plateau, il y a télévision, où il y a chaîne Nabiso, où il y a chaîne Moro très suivie sur le tendu de la République et partout au monde. Ok. Ngai Nazali Bongo Ndeko Tati Kunga Chiswaka. Nazali, médecin de profession. Ok. Mais quand il y a parti, Nabiso Idepech Tshisekedi, Nazali, président cellulaire, la cellule nouvelle génération de Lukala, Oezabongo na section de Lemba Sud, Fédération ya Moamba, Penakati ya ville province ya Kinshasa. Na lisanga na biso ya ba président cellulaire, Oetobengi na kombo ya collectif de président cellulaire. Nazali Bongo, vice-coordonnateur en charge ya Fédération ya Moamba. Très bien. Vice-coordonnateur en charge de la Fédération à Moamba pour fonctionner l'équipe et belle tout en matin au Kaka. Il y a vice-coordonnateur en charge, il y a session, il y a Moamba. Avant toi aborder toutes ces questions d'actualité auto, le Belia en entrée du jeu et émission d'Abisso, tout n'a pas beau mesano. D'après Bino, ou bien surtout vous êtes membre du parti au pouvoir, comment se porte la santé politique de la République démocratique du Congo? Vraiment, sans tergiverser. La santé politique, il y a Mbo Kanabiso, RDC, et ça, vraiment en nette évolution. Nous le savons très bien qu'il y a quelques années, le pays sombrait déjà. Ok, le pays sombrait. Le pays disparaissait pratiquement. Tu vas dire qu'on vivre dans Mbo Kanabiso, il y a là qu'il est sous étaté. Ok. Mais aujourd'hui, présentement, c'est le monde entier, c'est la communauté internationale qui parle de la République démocratique du Congo. Okay. Donc ça traduit suffisamment que la République démocratique du Congo, politiquement, se porte bien. Mais quand vous dites que depuis la création de la République démocratique du Congo, vous allez vraiment vivre dans un pays où vous allez le état. Mais on se rappelle l'avènement et pouvoir, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Il avait reconnu pas mal d'autres institutions, comme entre autres, il y a l'armée où il a reconnu, il y a une armée très bien structurée. Très bien structurée.
Mais effectivement, tant que commune est ici, il y a Batou Bazali, on va directement pour Banda pour accuser Batouté sans que ça soit l'état des lieux. Sans que ça soit l'état des lieux. Je vais vous exemple, il y a justice Nabiso, pour ça la parallélise maintenant. Le lingue, le bel et les marambo armé. Il y a peu, le président de la République, a Talisa Gibiso était justice et salam salam malam. Mais au début, à Koutagi, l'institution a été mise en place. Il fallait Yemoko à travailler, à Yébako déceler le problème où ils arrivent à niveau de l'institution pour appeler sa opposition. C'était le cas de l'armée. Il y a un moment où les loyaux ont mis en place et ça l'a mis. Les généraux ont bougé, les commandants de corps et tout ça, les choses ont bougé. Donc ça traduit qu'il y avait des malaises, il y avait des choses qui n'allaient pas bien. Très bien, il y avait des malaises, il y avait des choses qui n'allaient pas bien. C'est d'après Ndoko Mwanamboka Tatio, Agali Moko et IDPS, Ndoko Betemakambe, concerné l'actualité politique de la République du Congo. Tout ce qui est dans la partie est de la République, ou indépendant, l'actualité va nous Oyo. Il est allé même plus loin en disant qu'il s'agit même de faire de sacrifices suprêmes pour que la paix redevienne dans l'est de la République du Congo, dans le Salango. Mais le taux comme on a déjà qu'on est la quatrième année à pouvoir naître sur le plan sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, rien ne marche. Non, pas du tout. On ne peut pas dire que rien ne marche. L'évolution est dans le sens positif. Okay. Pour dire que. Dans le sens positif, pour Nabino Batoyi, le peste pour la République tout entière. Pour la République tout entière. Dites-moi tant que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'on appelle affectueusement Fatih Baiton, tant que Kota qui n'a pouvoir, il y avait combien de groupes armés dans l'Est? Les lots, ils ont combien? Vois que la logique serait que le nombre est wana, du fait qu'ils ont diminué. Ça veut dire que progressivement, tous les Kende, la solution à la situation sécuritaire. Il y en avait plus de 200. Okay. Il y avait plus de 200 groupes armés. Mais les lots, tous les combien? D'ailleurs, les lots, tous les lots, les mingi, les tikali kagamo, les solo, il y a M23. Bah, groupe armé, Moussousou, Bazouaki, Ningisa, Yakoti Kamandoki. Il y a un gouvernement gouvernement. M23 de Sala qui nous a toujours continué à frapper. Donc, situation sécuritaire, ils ont évolué. Quand on a fait un peu de temps, ce qu'il faut, c'est un niveau de sacrifice suprême. Mais du moment où il y a un mandat, a été, il faut que un point pour mandat. Ils ont une année, ils ont ébélé, ils ont mouqué. Mais en un jour aussi, on peut tout faire changer. Mais quand vous êtes en train de dire ici que Toko frappait M23 d'une manière ou d'une autre, mais aujourd'hui le M23 au Minobo qu'on frappait, tu habites ce qui est M23 créé par vos propres structures politiques ou bien M23 ou M23 Béli, Mulingo maintenant qui est porte-parole, il y a M23 au Minobo qu'on frappait, tandis que M23 au Boko le Baba qu'on frappait, il occupe plusieurs territoires et République démocratique du Congo, à l'occurrence de Bounagana, auto-rendé déjà dans les 5 mois et demi depuis qu'ils ont sous contrôle M23. Sur M23 ni Minobo qu'on frappait. Mais il y a des moutouroyés qui sont des journalistes, mais il y a des gens qui ont communiqué, qui ont frappé les M23. Si il y a des gens qui ont frappé les avions, ils ont frappé les Sukhoi, ils ont frappé les moines écoles, les Takoi, ceux qui ont été terrain, ils ont frappé les M23 ou les Lingoma. C'est-à-dire que les gens qui ont une stratégie, ils ont une communauté internationale à Salaki, on a pour piller mboka na biso. Alors ils ont facilité tozo bunda kaka na M23 te o biso tozo mona tozo bunda né na monde entier. Tozo bunda né na monde entier. Yango moni la première option o ezala ki levé ezala ki diplomatie. Il fallait le loko talisa na monde mobimba que M23 o tozo bunda nango aza sous-titelle ya Rwanda oyo ye Rwanda aza sous-titelle ya communauté internationale. Donc tozo bunda na M23 mais tozo bunda na monde entier yango président na biso o tolobi le diplomate qui enseigne le professeur qui a donné la leçon même na communauté internationale a déshabillé communauté internationale complètement pour na talisa été que Marambo oyo bino bozo kanga monoko ezali Rwanda pe bino batu bozali na sima ya Rwanda wa. Tozo continuer na ko frapper bango et na venir mon reproche à to récupérer ba territoire nyonso ya mboka na biso. Pas un centimètre de terre. Pas un centimètre. Wana ba silence tata ko la pessimisme. Bongo parce que yende mutu azoko président na mboka oyo
il a une vision pour ce pays et biso toza o s'aligner derrière vision wana pour que ça la matérialise. Très bien, biso toko il soit s'aligner derrière vision wana pour que ça la matérialise wana ezali moko ya ya maloba ya bayi politique ya ILEPES auto ko sala même mission or mais a ko expliquer biso makambo wana nyonso tout ye concerné politique avec nous du Congo. Récemment il y a eu des assises, il y a mini sommet convoqué par le président angolais Senaki Posancia. Il y a présence, il y a RDC, ici représenté par son président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, mais aussi il y a la République rwandaise, Oyo, président Rwanda, Azala, qui en a été délégué qui ministre des Affaires étrangères, na, pour nous représenter dans la Sizia. Il y a eu plusieurs résolutions, entre autres le retrait total, il y a M23, dans le groupe, dans le territoire, au Azala qui est équipé, cesser les faits et tout consort pendant 48 heures. Les 48 heures écoulées, expirées, on n'a pas senti cette retrait total. Et bah M23 même plus loin baké ko le bapo na bango ke basala ki ba boycotta ki accord wana bazad d'accord na ngote. Et aujourd'hui on parle de ce processus, il y a Nairobi toujours na conquête ya rozo a kimia na partie est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais o ya ko négocier na plus de 200 groupes armés pour na mboka Kenya avec le facilitateur le président Uhuru Kenyatta, mais toujours absent nakata basizo wana M23, le plus grand groupe armé et rebelle groupe rebelle Oyo et ko bondisa bayi faire des insultes ko bomba bayi congolais na niveau est de la République bazati. Est-ce qu'on peut espérer retour ya paix na basizo après basizo wana ko salama na Kenya? Mais ndeko moi na mboka journaliste, je crois que côté wana to kozala quand même assez clair pour population comprendre. Parce que na marambo Oyo soit une population à comprendre et à mon malamouté à voyer par contre la réalité en face des M23 ou tout seul au M23 en réalité M23 et en des Rwanda M23 en des Rwanda il y a école à Zolo Bayango chaque fois à Zolo Bayango chaque fois tant que ma résolution il y a Angola et Salema qui y a Luanda baloba qui retrait na bango dans 48 heures bon mon a quitté que Rwanda réagit ça qui m'bang. On a voulu que Makambo ait des habits sur les abats congolais. Dans M23, comprendre que Rwanda Oyo Azaraki, tuteur naïe, a lâché. A lâché pour Yébi qui est en balobi retrait. Dans les abats congolais. Ndenge Bazako mi benga ba congolais. Tant que Bazolo Bazako s'est retiré dans le territoire, on n'a pas de Kende Wad. Ça dit pour Kende Rwanda. N'est-ce pas? Ce qui est en Congo, s'est retiré dans le territoire où on va occuper. Nous sommes là à côté de la Gézaki Wad. Rwanda, parce que na Rwanda, yango moni ndeko Kagame, na maele na ye wana ya mabe, na maele na ye ya bondoki, aluki a lâché bango, pour aboyi, guerre kende na mboka na bango. Pour yebi ke batu wana tango bako zonga ba FDLR pe bazakuna. A yebi ke mboka na bango ezamu ke ndenga lubaki, biso toko bumina na mboka na biso te po espace ezamu ke. Il faut te mema ba guerre na ba mboka ya batu, ba prefera ki ba mema yango na Congo. Na Congo eza Zambi. Congo Oyo, avant qu'on bundisa yango, il faut vérifier ce qui va télémédier ou autre, mais surtout télémédier par exemple. Yango Moni va se présenter te nakati ya basise au Ezana Nairobi. C'est parce que souci na bango eza moko, souci na bango eza to leka na négociation. Mais tata mokonzi ya ekolo, Fatshi Béton, le béton national, ndenge to lobi boye ndeko na biso mwana mboka. Oyo to lingaka mingi tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le béton national oyo azokamba mboka oyo pour que émergence nango ezala définitive à lobaki que pas question de négociation pas question de négociation pas question de négociation oyo ko lekana Nairobi ko ezaba ni oyo zo lekana Nairobi eza appel au retrait il y a M23 eza négociation té négociation oyo M23 Azoluka va bien naïe, va sololanaïe pour faire l'intégration, mixage, brassage, pour infiltrer les sous armées, na biso ndenge ba mesana pour ça là. Na biso to lobi pas question, population telemina sima tata mokonzi ya ekolo pour que loko wane sali maté. Pour degré mboka oyo ezala ki infiltré, je vous dis papa, tozala ki sou etaté. Na malembe mokonzi ya mboka azo telemisa mboka oyo. Le géant, l'éléphant est en train de se réveiller. L'éléphant, le géant est en train de se réveiller, toujours d'après le dire, il y a Moko et Idopes et Mbekotati. Il est toujours concerné à l'actualité politique et à la République démocratique du Congo. Ah, Tokoloba,
M23 a ta assisté na ba 6 heures le kana na Nairobi te donc to tuna ki mutuna ko yeba ce qui M23 assisté te et que a vu acte ya résolution que za makuna na Nairobi te ndenga zo aboy ko zo acte ya o ile kaki na mboka kuna ya Angola na Luanda et le comment ça magité est-ce que après Nairobi on peut espérer quelque chose mais bien sûr tata Mokonzalo Bagi ou soit la paix totale ou soit la guerre totale c'est à eux de prendre conscience na ba acte ba zo posé ceux qui balingi kimia et le moment que c'est ngameli bango ezak o se retirer na territoire ya RDC ko kende bisika oyo bazala kana ba Rwanda ba Uganda ba kende ko vanda kuna ou soit ceux qui batika liawa alors bazala makasi po RDC 42 to lo ba reza et le ko penda ya makasi bako yoka lokito ya sukoi pe muto azokumba ngo wana to bengi na kombo ya takoi tala synergie bako biki la wapi solution ikozala dans les deux côtés soit la paix soit la guerre mais to komona ba M23 bako reclamer ba accord oyo ba signé ki na gouvernement congolais awana Kinshasa ils a respecté te plus encore le porte-parole ya M23 ko lo bati bazalaki logé na Kinshasa pendant 14 mois sous le frais il y a eu le pays yo kolobani sur mal ba propos mais bazana ba preuve té ya ba allégation oyo bango bazolo ba wana bazana ba preuve té mais même ata soki bazaki na Kinshasa awa même ata soki bazaki na Kinshasa peut-être na lolenge na bango moko à cette époque là le président de la république avait appelé ba groupes armés nyo so ba ya ba solo la ba tala ndenge nini ba ko arrêter guerre wana na est mais bango ba boyaki ba tchaki mutu makasi pour la rotali ça mutu makasi na bango tangu Nairobi ya liboso salemaki babengisaki batenir sous mes bango bakenda kite c'est-à-dire que bango ndenge bazawana bazana besoin ya likambuse moko balongola bango na statue wana ya groupe armé ba mema bango na kati ya armée na biso national FARDC na ba grade na bango ya ba généraux ya ba colonel pour que bazwa maintenant gestion ya armée pour que ba continuer ko piller mboka oyo na mokonza mboka sa boyaki makambo wana aboyaki soki oza congolais si tu te réclames congolais soko lingi penda mboka na pourquoi ko bundisa yango po zwa poste oko simba mandoki po na nini po bundisa mboka na oko simba mandoki po ni biso ba oyo tozo sala politique est-ce que to simba mandoki na IDPS IDPS eza lutte non armée non violent mais le loyo tozo pouvoir est-ce que tu betamassasi ta balingi bazwa pouvoir baya ko sala parti politique awa babunda na makambo ya élection ba gagner ne ba ko zwa pouvoir na minduki to boyi makambo wana na kongwe ko sala makambo susu te na minduki to boyi makambo wana na kongwe ko sala masusu te soki to zongi toujours kuna na est de la République du Congo mokolo eleka ki awa le président rwandais a s'adressé ki na nation il a fait sortir plusieurs révélations où il a dit que le problème de l'Est ou bien de M23 ce n'est pas le Rwandais, c'est un problème de Congolais eux-mêmes pour la Colobaké. Ceux qui président du Congo a dit que Kokozoa Kimiate a le combat pour négocier avec les Congolais pour que Kimezonga a dit que c'était comme le Rwanda parce que Rwanda a été concerné, allais-je dire, que na agression au ba congolais ba quoi sibio kona na est de la République du Congo yo kolobani si au ba propos ya président rwandais Paul Kagame après avoir plusieurs mois de silence sans parler sur la situation sécuritaire de l'est mais il s'est décidé de parler c'est ça certainement à Monique Balobi Ming oyana oy ko considérer ezo ko concerner mboka na été donc ils étaient dans l'obligation yo koloba quand même mais wane zo la kisa siko clair oyo balobaka na lopoto qui s'est sans piqué connaît l'affaire. Tango a réagir bongo c'est que ayoki moto ayoki nzube tubiye. Yeo ya zolo ba makambu ya M23 eza makambu ya Rwanda te eza makambu ya ba congolais. Nani oya signé qui cesser les faits na Luanda na kombo ya M23. Et là qui y a Kagame te. Ceux qui zaki makambu italaki ba congolais ya kinde ko signé na makambu ba congolais na lulenge kani. Ozo mona ke ekomi kotali sa ete msusu problème ekomi elie na mutu po azu diplomatie ya Fatshi Baiton. Fatshi Baiton alakisi ye ke okoki koumela na pouvoir osali soki 20 ans ndenge aza dictateur na mboka na ye mais Fatshi atalisi ye ete azalaki mukie
monene nyonso bandai ko vimba wane zaki communauté internationale nde zaki simanae awa basi batiki ye bolumbu elo ni fois ça les fois qui mambangu na ndako akende ko bombana. OK. Donc etali sikie makambo azolo ba wana eza ko luka ko se justifier mais monde entier déjà essayé bike M23 eza Rwanda. M23 eza Rwanda ki sumusika ko lobake lors des élections pendant les élections 2018 et que le président Félix Antoine Tshisekedi a gagné qui l'élection en AT. La minute en 2023, il n'est pas prêt à organiser l'élection en 2023 dans la RDC. Alors qu'on moyen il a qu'on se penche côté M23 pour que l'élection soit là organisée en 2023. Très bien, Azakolabo na bateau bazo banga ba élection. Ah. Biso na IDPS tolobi les élections en 2023. Tout dans l'explication, nous sommes sur Tekeba Bonga Makaka. Naïe, nous avons collaboré na Bango Bato Bazana 4. Pour ma ramou ya Congo est allié. Ya Zolo Baete, Tozo Banga élection, Yangoana, Tozo Kimila Nassima M23. Tant que calendrier et Bimi Awa, Yamagamba élection, est-ce que Bato Bamoni Teke guerre est en Est? Bato Bamoni. Yango tozo loba ete guerre il faut aussi lisango il faut aussi l'avant ba élection parce que mboka mobimba il faut participer na ba élection. OK. Yenda zo linga sala makasi ya pesa bandeko na ye oyo bazaka ba collaborateur na ye awa na kati. Makasi po ba luka moyen ba torpiller processus électoral. Mais ba miko aussi UDPS est prêt d'aller aux élections. Pour d'ailleurs une majorité écrasante. Il y a 499 députés et puis deuxième mandat sûr la présidente de la République. Pour une majorité écrasante, il y a 499 députés. Moi, voilà, on a tout ce lié. On a compté UDPS et tout ce qui est lié, on a collaboré. On a 499 députés, je vous dis. Voilà UDPS organisé. Voilà UDPS. Qu'est-ce qui vous rassure que UDPS Oyo Les amis balé. Il y a liboso, il y a bilan, il y a président de la République. OK. Bilan naïe, il y a largement positif. OK. Il y a mis balé, IDPS, il y a prêt. Tout ça déjà préparé pour aller aux élections. Bah oui, bazo le bawana, bah combattant IDPS, bah mes bourrois. Bah combattant quoi? Bah vrai, bah combattant des biso. Biso des bases. Gilles Monnier, c'est un combattant. Biso des bases. Tout naïe cellule naïe zanine. Pour bah côté qu'on a IDPS, na cellule de base. Soroza membre ya cellule de base T. Soroza reconnu par une cellule T de l'IDPS soza membre ya IDPS T. A tous autant na munako na na IDPS moza mutu ya IDPS T. Donc Gilles Monnier aza mutu ya IDPS T. Tunaye kasi cellule na ye za cellule nini. Yo tunaye. Ou bien soki oza journaliste kende kozwa statut ya IDPS. Tanga ba organe o eza kuna o eza régine statut ya IDPS. Ye a Gilles Monnier ya bisa yo soki aza na organe nini. Où ils sont statutaires. Parce que statut est l'obélé, cellule de base. Ok. Les organes et si ka ou wapi mouta ko kote lila na kati ya IDPS. So ko koti wana te oza moutu ya IDPS, eh? Te. Bolanda la réseau social te mouta telemi na kwa zu kamera, tche. Ou ba parlementaire, ba parlementaire, baza ba bourette. A me maki zelou, a me maki sima, a me maki ma banga. Mettons comme la mboa poste. Et comme on va poster, je suis comme la famille, mes proches, même pas mes combattants, ils ne peuvent pas se retrouver. Parlement debout, ils ont un organe reconnu dans le parti. Mais il faut le savoir qu'ils ont un organe informel. Ok. Ils ont non statutaire. Ok. Aux à la membre du Parlement debout, parce qu'ils ont aussi fait un travail, ça nous le reconnaissons, mais il faut aux à la affilié na cellule na yo de base. OK. Yé bato ozo tangilanga ba kombo tunelanga bango ba cellule na bango za ba cellule nini. Ko awa tozo sala enregistrement recensement ya ba membre na biso ya parti ya UDPS. Tozo sala yango na parlement debout. Non. Tozo sala yango na ba cellule de base. OK. Biso nde tozana ba registre ya d'enregistrement. Oyo yé oyé ko s'identifier comme membre ya UDPS, ngai président cellulaire na enregistré yo au signé Potoye bakoza membre effectif ya IDPS poto évoluer na yo. OK. Yebi abaye bisayo bango ba s'enregistrer wapi.
Nous que Marambo et les Kakamingi dans la TV, dans les réseaux sociaux, quelque part, c'est des choses à ne pas avaler. Très bien. Jules Monnier, il faut que l'acceptation dans la Congolais Télévision soit que vous allez membre de cellules ni à l'UDPS. Parce que ici, sur le plan statistique, il y a UDPS qui a beaucoup plus de reconnaissance, tout le monde a cellules. Tant que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit sur le plan statistique, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous d'après le dire, il y a moko ya UDPS de Kotati, tu sois quand même moko ya UDPS qu'on a vu ce cordon ya Mouamba. C'est ça, ya Mouamba Oyo. Bon, à gérer qu'on est au niveau ya parti présidentiel UDPS. Mais dès que tu peux te concerner, UDPS, tu continues toujours dans l'UDPS en réalité. Sur le plan interne, comment se porte l'UDPS? L'UDPS se porte à merveille. L'UDPS, c'est un grand parti. Le parti le mieux implanté au monde. Et dans la partie mon côté, il y a une UDPS dans le monde. Dans le monde? Si. Partout au Kokende, dans le monde entier, il y a UDPS. Mais est-ce que vous avez des démocrates américains au Congo? Vous avez un drapeau dans le Congo? Vous avez un parti à ANC, à Mandela, au Congo? Mais c'est normal que le parti à ANC, bien les démocrates, parti au Congo, parce que sur le plan de représentativité, il n'y a pas assez d'Américains en République démocratique du Congo. Tous les Congolais sont aux États-Unis, c'est normal. Nous, les Congolais, on est beaucoup plus aux États-Unis que les Américains au Congo. Ah, et puis sur le plan politique, politique, na Bango, ils sont différents. Na Ebiso. Tous les Africains sont à ANC. Donc, les Sud-Africains sont en Afrique du Sud. Ah, on a Congo, ils sont. Si, mais si on. Alors, ils ont été constitués encore. Est-ce qu'il faut aussi se poser la question de savoir est-ce que les Sud-Africains sont en Afrique politique? Mais bien sûr. Tant que nous avons la politique, et d'ailleurs, l'Afrique du Sud a été parmi les pays Oyo et Zalaki vraiment en vivacité en matière politique. Vous voyez, l'histoire a parté de l'autre. Mais, ce total, il dépasse ses arts partout. Il dépasse ses arts partout. Même dans l'île Galapagos, il y a et si il y a une tortille, il dépasse ses arts. C'est-à-dire qu'il dépasse le meilleur parti au monde. Donc, le ici, parti le mieux implanté au monde. On a affirmé sur le plan interne que l'UDPS n'a pas de problème. Il y a une place dans le chité. L'UDPS est malade. Allez-y. Tant que il y a un chef de file Nabiso, le secrétaire général Augustin Kabuya, le Mouanabouté du chef, il y a un pessimicolo, comme il y a AK-1000, AK-47 et l'équipe Mouké. AK-1000. AK-1000, mais c'est une bombe atomique. Et si il y a un peu de temps, il y a Hiroshima Nagasaki. Ce qui a payé et Sikawana, à 40 ans après, à 50 ans après, Bouromon a effet à Augustin Mouanabouté. Tant qu'il se porte bien, tant que nous, les structures de base et l'exécutif du parti, des organes statutaires, tout ça pour fonctionner malam, na aliment, on peut dire que le parti se porte bien. On peut dire que le parti se porte bien, on les a dit toujours le bas haut, il y a une dépêche que le parti se porte bien. Mais quand tu as la partie, le niveau interne d'après nous, que le parti se porte bien, mais le niveau externe de la partie, tout le monde dit que c'est bien. Et que le parti présidentiel, à chaque fois, il y a des nominations dans l'institut ou bien dans le gouvernement de l'État, tout le monde a une dépêche, il va continuer toujours à réagir d'une manière négative. Est-ce que l'UDPS n'a pas nomination au Bakosa Laka? Récemment, on a vu des nominations à mandataire public. Récemment aussi, on a vu des nominations à bourgmestre. Est-ce que l'UDPS se retrouve na ou bien l'UDPS a donc nommé Bato ba mérité que vous allez nommer dans la fonction? Effectivement, l'UDPS s'est retrouvé. L'UDPS a tché à aligner Bato au Yobaza. Effectivement membre de l'UDPS. Je prends le cadre, le cas territorial. Sur les 48 bourgmestres dans la ville, province, à Kinshasa et leurs adjoints, l'UDPS a, je crois, autour de 17 bourgmestres qui sont du parti. Ils ont battu au Bayebi. Dans la ville, la commune de Yamakala, dans la ville, il y a Baudouin, il y a un sectionnaire, président sectionnaire de Yamakala. Nazui Kaya Lemba, on a l'ensemble de Lemba, vice bourgmestre Simone, Aza fédéral, Nazui Limité, Aza sectionnaire, il y a Ligue des femmes, aux Hollanda. Donc l'IDPS, Aza qu'on s'est retrouvé, Malam ou l'IDPS, le secrétaire général, Asala qui choisit judiciaire, a aligné Batu Oyo. Tant que je peux me dire que je suis en train de reconnaître comme
de membres du parti. Ok. Batu oyozolo kawana bazo sala makelele wana. Oyozolo bawana. Est-ce que ce sont réellement des membres du parti? Qu'est-ce qui les identifie comme membres du parti? Bah tout ce qu'on nomme, bah allez qui nomme, bah ça récompensé parce que bah papa n'a pas donné bah l'état qui bah l'état qui était en bas ça récompensé sur base de ça. Est-ce que c'est vrai ça? Mais c'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Il faut aussi se souvenir des gens qui ont lutté. Prenons le cas, il y a papa Nabiso Kondo, Etienne Tshisekedi Wamulumba, le docteur, l'esprit, le sphinx. Papa Bundaki. Mais est-ce que papa Mutazan a pouvoir les lots? Moi, je suis Bundaki de côté à papa. Moi, je n'ai pas Bundaki, à soi qui paye relais. Mais Moutou Bundaki, à Télémissa qui combat, c'était le père. Mais il faut continuer à relais. Et identiquement, il y a un peu de temps pour récompenser Bango. Parce qu'eux aussi, ils ont pris les flambeaux de leur père, même peut-être dans la même niveau. Mais ils sont membres du parti. Et puis, il y a eu que ceux qui m'ont tombé sur le champ de bataille, qu'il faut l'oublier. Ok. Nous, ce n'est pas comme ça. Nous ne marchons pas comme ça. Très bien, très bien. Bah, c'est à nous, le président cellulaire, de les identifier, j'y arrive, comme membres du parti. Ok. Obisson de Toyebi, membres de notre parti. Ok. En dehors de nous, Moutoumoussou Soazate. Ok. Très bien. En dehors de eux, Moutoumoussou Soazate, qu'on identifie, nous, membres du parti. Mais nous arrivons presque à la fin de notre émission. On ne peut pas finir cette émission. Ce que tu as abordé, ma grande, concernait l'élection 2023. Ici, vous avez affirmé que l'UDPS sont prêts, déterminés à gagner les élections 2023, voire 499 députés. 499. D'après vos dires. Oui. Mais récemment, ici, le président de Yasséni, Denika Dima, c'est l'équipe publication à calendrier électoral, Oyobaï, majorité présidentielle, bien majorité, union sacrée, il est totalement d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, on sent des réactions de part autre, il y a opposants, mais aussi il y a des députés membres de l'Union sacrée. À l'occurrence de l'honorable Lézard Tambe, qui a essayé de faire une étude comparative en 2006, de 2006 en 2018, comment l'enrôlement est Salamaki Namboko Oyo. Et il a allé encore plus loin, Rolobake. Quelle magie de Nika Dimakosa, là, dans trois mois, il a enrôlé l'électeur, parce qu'on a vu en 2006 et Salaki 12 mois, 2011 Salaki 14 mois, 2018 et Salaki 13 mois. Ce qui est un chiffre Oyo. Oye mati lelo il y a tout la population qui mata lelo na oye zala ki ba ané intérieur zala ki différente il y a le contraire il y a tout oye belé je peux imaginer on ça là dans 3 mois pour na quoi enrôler l'électeur pour se prévenir que l'assaké réellement le calendrier en question ne sera pas respecté. De vos journalistes c'est qui singa mon bouquet omoni nous wana to ba palpitation na to ba agitation wana zo salema ils ont assuré certains qu'ils ont là-bas tu vas au banc à ba élection bah tu vas au banc à ba élection bah tu vas au banc à ba élection même union sacrée même ba union sacrée. Moi je parle de l'UDPS, nous parlons UDPS parce que c'est là qui déclaration que le banc à zan monte union sacrée à zan UDPS t'es union sacrée UDPS c'est qu'on est une élection bisomoko toko kena coalition tete toko kende biso moko to ko aligner bato na biso na président na biso Fatih Béton bazo banga élection omoni mingi pe ba ya na union sacrée wana ba ya ndeko se greffer na UDPS ko bazo mo mafuta mais en réalité ils sont zéro. OK, ils sont zéro ba yebite que Denis Kadima président Séni tango a publié calendrier na wana a yebi makambo zo sala alobele la ki makambo ya enrôlement numérique bango ba yebi yango te baz informé te que même téléphone oyo batu bakoyi ko s'enregistrer et sengi kaka te batu bakoma sur les lieux batu bien sûr vous allez na ba bureau ya ko enregistrer ba électeur et tout ça mais avec le téléphone ça peut se faire okay. So bazana information te ba approcher Séni et loko oyo oyo ko yiko sala po on peut savoir des informations, par exemple les 10 au tambola au longo nanda kwa oyo ke nanda kwa oyo tozi la batunyo so ba ya na ilo ko ko vanda le lo na téléphone na yo au communiquer na 10 personnes. Est-ce que ozo mona te ke fait ça na différence ya temps oyo ko zala une seconde batutu ba zui message mais ba oyo mususu e ko senga yo moins 10 minutes au tambola beta ba porte nyo so to po batunyo so ba ya bazande na information te puis bazo banga ba élection. Bah se préparer na ba élection IDP ça en face na bango et puis tous assure que ndé bazaboy ba ebi déjà qui bazaya ko pola
Parce que bah, il y a des adversaires en face, il y a tellement coriace que bah, il faut créer une agitation en Amos. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Union sacrée en quelque sorte est infiltrée dans même dans la Bahia, dans la élection, dans la censure pour soutenir le chef de l'État en 2023, dans la vie contraire, il y a l'élection 2023. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Union sacrée aussi est infiltrée? Mais bien sûr, okay, tu es bien haut. L'Union sacrée. Donc, toutefois, on peut s'inviter quand même une raison dans la Bahia, il faut qu'on récompose l'Union sacrée avec les hommes intelligents. Bon, récomposition, il y a l'Union sacrée où on est à Mokonzambo Kande à Kolobayango. Parce que c'est lui qui préside dans la vision d'Aye, Aye Bilo Lengi Azo Salango. C'est à lui de voir ce qu'il faut restructurer, il faut changer. Mais ce qui est sûr, Biso IDPS n'est toujours là. Biso, en connaissant tout ça, tu as une élection Biso Moko. Tu as une élection Biso Moko, tu as battre Bango Nyonso. Nous avons insisté 499 députés. Ok. Moi, je suis un député. Très bien. 499 députés. Moi, je suis un député. 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 Tu sois Kazali. Moi, je suis un député. C'est reparti présidentiel. Il y a une opportunité pour l'opportunité. Pour que je me concerne l'actualité politique et la République démocratique du Congo. Moi, je suis un député. Je suis un député. Plus de 140 000 abonnés. Je suis un député. Je suis un à travers notre chaîne Congo Live Télévision. Parce que nous, informer la population, c'est notre devoir. On le fait en temps réel, comme c'est doit, comme c'est faux. Mais ça, je n'ai pas occupé, c'est un mot qui a été à travers notre chaîne Congo Live Télévision. Message, Esa, Moko. Déjà, personnellement, je suis dit que je suis un peu pour que je suis un peu plus chaîne Nabiso Congo Live et Pesanga et Sika, je suis participé à plateau. Na bino ya émission et ça linga esengo ponga pe na yoka ki sango ya Congo Live na landi na monique ezalaki intéressant de naye alors na kosenga na ba téléspectateurs nyonso topé ba internautes nyonso ba landa Congo Live. Congo Live eza chaîne oyo ezo pesa information ya malamu et puis na kutani en face na ba journalistes et puis na équipe ya tournage, il y a émission, il y a réalisateur et puis batunion sous na Monique Moussa les a des qualités. Il y a on a sengi na ba bayi politique nyoso. Et puis au-delà de la politique, même ba baza ba acteurs sociaux et puis dans deux autres domaines boya ko pesa pe maele na bino na kati ya chaîne ya Congo Live et kozala kitoko mingi. Congo Live. Kitoko. Congo Live viva. Alors voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Il y a une très opportunité pour Yambayen de Kotati, Tiswa Kazali. Moko à IDPS, après ce temps, Yokobet, Tamasole, concerné à l'actualité politique. Nous avons parlé de la mini sommet OIO. Salamaki na Luanda, mais aussi entamé des processus à Nairobi. Et nous avons parlé aussi de cette fameuse déclaration, bien discours du président rwandais Paul Kagame, où il y a une accusation grave contre le président de la République démocratique du Congo. Et nous avons parlé de cette calendrier électoral, OIO, Salamaki, guerre du côté opposition. Il y a République démocratique du Congo, mais tu es bien concerné politique qui arrive démocratique du Congo. Comme tu le verras toujours, peu importe nos divergences, on est tous congolais. C'était Jonathan Safou, l'homme de la République. Qu'on se le dise. Au revoir.